Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la médiathèque José Cabanis. Nous sommes ravis d'accueillir cette première conférence de l'édition 2022 du festival Terre d'ailleurs qui va se dérouler pour l'essentiel au muséum à partir du 23 novembre. Et je vais laisser la parole à Cathy Desplats, ici présente, qui va vous présenter la conférence de ce soir, et Armel Faure, notre intervenante. Je voudrais juste vous dire au préalable qu'il y aura une séance dédicace avec la librairie Ombre Blanche à partir de 19h30 dans la salle d'exposition qui est attenante à l'auditorium. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Oui, bonjour. Donc, ravie de vous accueillir pour cette avant-première du Festival Terre d'ailleurs, puisque le festival, effectivement, se déroulera à partir du 23, mercredi 23, et vous avez les programmes qui sont à l'extérieur, juste à côté. Il y en a là aussi, donc vous pourrez les trouver. Donc, ce festival revient pour sa 14e édition au muséum. Il a été élaboré en partenariat donc avec le muséum, et nous vous attendons nombreux. Voilà. Ce soir, nous accueillons Armel Faure qui a un ouvrage qui est vraiment passionnant et qui faisait partie de la sélection du prix du livre du festival, puisque certains d'entre vous le savent puisque vous faites partie des lecteurs, mais ça je vais laisser Chantal l'expliquer. Donc son ouvrage faisait partie de la sélection. Donc, Armel est une anthropologue, ethnologue, qui est partie un jour avec des humanitaires au Burkina Faso, qui à l'époque n'était pas le Burkina Faso, et là a commencé sa vie. Et je n'en dis pas trop plus puisque tu vas nous le raconter. Et il lui est arrivé énormément d'aventures. Elle a mené une thèse dont le thème, tu nous le diras, est assez porté sur toutes les rites et les qui sont du Burkina. Voilà, donc elle va nous expliquer et nous présenter tout cela. Et je vais laisser la parole à Chantal pour parler des lecteurs. Bonsoir. Donc cette rencontre avec Armel Faure est l'aboutissement d'une collaboration avec l'association des Lyres d'encre, le muséum, etc. Mais c'est aussi un travail de lecture avec un club de lecture qui participe donc à la sélection. Enfin, on participe à la sélection. On lit les livres de la sélection du Festival Terre d'ailleurs. On échange entre nous et voilà. Et après beaucoup de quelques rencontres et de discussions, on avait choisi le livre d'Armel Faure, enfin à la majorité, pas pour tout le monde. Voilà. Donc c'était juste pour parler de ce club de lecture récits de voyage. La médiathèque José Cabanis a la particularité d'avoir une grande richesse de collections. Mais bon, dans ce grand ensemble, parfois, les relations avec nos lecteurs sont un peu anonymes. Donc, ces rencontres dans des clubs de lecture nous permettent de créer un lien, des discussions. Et voilà, et notamment, ce club est né après après les 2-3 années de Covid, où la parole était muselée. Pendant la période Covid, où on ne parlait pas, donc voilà. Donc il y a eu une grande joie de pouvoir se réunir et de parler librement. Voilà, c'est tout. Je vous repasse la... Bonjour. À toi la parole. Merci. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup aux amis qui sont là, des amis du Burkina Faso et des amis chercheurs. Je remercie bien sûr le festival Terre d'ailleurs et l'association Délire d'encre et la médiathèque José Cabanis. Laurent a une histoire avec José Cabanis, c'est très intéressant parce que moi aussi c'est la première fois que je viens dans votre auditorium. Je viens souvent à Cabanis mais pas dans l'auditorium, donc je suis assez impressionnée et contente d'être là avec vous. Alors cette fois-ci je vais parler de la sorcellerie dans mon livre Révolution et sorcellerie. Jusqu'à présent j'ai énormément parlé de la révolution autour de ce livre dans pas mal d'endroits. Et puis là, pour changer, comme c'est Toulouse, eh ben je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais parler de la sorcellerie. Et de la sorcellerie, bien sûr, en relation avec la politique et avec la révolution. Alors, excusez-moi, mais vous essuyez les plâtres, hein, puisque c'est la première fois que je donne cette conférence. On va voir ce qui va en sortir. Donc il s'agit de mon premier terrain au Burkina Faso, entre 1982 et 1987. Donc c'était l'occasion, qu'est-ce que c'était C'est une jeune ethnologue qui cherche son terrain. Alors j'avais été au Népal pour mon mémoire de maîtrise, en Inde aussi. J'avais traversé le Sahara avec un ami... Et on avait fait 25 000 km à travers le Sahara, et puis on n'avait plus de sous, on était arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais trouvé du boulot là-bas, et on était reparti, ce qui était assez remarquable, parce qu'on avait une Méhari, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, une toute petite voiture, trois chevaux Citroën, qui passait partout, franchement, sauf qu'au retour, elle était quand même un peu foutue. Et pour traverser le Sahara, c'était très 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 dur au retour. On avait même le pare-brise qui avait cassé. Et puis la plupart des gens en fait descendaient avec les véhicules, mais ne remontaient pas. Mais nous, on avait l'intention de remonter parce qu'on savait que si on vendait notre voiture, tout le monde voulait l'acheter. C'est une petite voiture qui ne consomme pas grand-chose et qui est facile à bricoler, ce qui fait qu'elle a été bricolée à peu près partout. Et on l'a ramenée jusqu'à Paris, mais elle était vraiment très 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 fatiguée. Donc ça, c'était mon premier séjour. Et de tous les pays qu'on avait traversés, j'avais, je ne sais pas pourquoi, eu beaucoup de sentiments pour cette haute Volta, et en particulier pour le Nord. Mais je suis revenue, j'avais déjà un petit peu avancé dans mes recherches, et j'accompagnais deux ethnologues. Je faisais semblant d'être photographe, parce que je n'étais pas du tout photographe, mais j'avais, disons, un bon appareil photo que je savais maîtriser. Et vous verrez donc les photos. Et je cherchais mon terrain, tout simplement. Je cherchais un terrain de thèse. Et on était partis au Mali, au Togo et au Burkina Faso. Et pour vous raconter la petite histoire complètement, on devait aller dormir à Tinkodogo dans le programme qui était prévu pour partir sur le Togo. Et il y a eu des éclairs, une pluie incroyable. Et du coup... on s'est dit, mais on ne peut pas arriver à Tinkodogo, il faut qu'on s'arrête sur la route et qu'on demande l'hospitalité quelque part. C'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois le pays Bissa. Donc on a passé une nuit et dans ce pays Bissa. Et je ne sais pas pourquoi je me suis sentie bien là-bas. Franchement, il n'y a aucune raison. Et ensuite, on a continué, on a passé 3 mois dans d'autres lieux. Et quand on était rentré à Ouagadougou, j'avais écrit une lettre au chef de village avec qui j'avais bavardé le matin, en lui disant est-ce que je pourrais revenir chez vous, est-ce que vous accueilleriez quelqu'un qui essaye de faire des recherches d'ethnologie. Et le plus incroyable, c'est qu'à la poste restante, j'ai reçu la lettre du chef et qui me disait oui, vraiment pas de problème, venez quand vous voulez. Et donc c'est le début du livre, la première page. C'est mon retour là-bas, la première nuit, avec l'attaque des chauves-souris. Et puis, vous savez, avec comment ? Ouais, ce n'était pas une attaque, c'était très gentil de sa part. Ça s'est arrêté très vite avec mes grands éclats de rire. Et c'est la première page du livre, effectivement, mais les chauves-souris surtout, parce que j'avais des très grands cheveux et j'avais peur que les chauves-souris rentrent dans mes cheveux.
Et donc j'ai passé une nuit assez difficile, sa première nuit. Mais heureusement, il y avait tout de suite d'autres amis, vous allez voir, Maya, Hortense et tous ces gens-là, très bienveillants, et qui ont fait que mon séjour était tellement passionnant que j'ai voulu revenir, et puis essayer de comprendre ce que c'était que leur monde des génies, en fait. Donc c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Ensuite, j'ai travaillé en fait 30 ans en Afrique, en Asie, à Madagascar, surtout sur les grands barrages, sur les très grosses infrastructures, c'est-à-dire les très grands périmètres irrigués. Madagascar, c'était la construction du plus gros port de l'océan Indien. C'était un programme des Nations Unies de 1 milliard de dollars. C'était pas petit. Et j'avais été nommée expert sur toutes les questions de déplacement de population, avec toute l'expérience que j'avais de tous les pays antérieurs. Et malheureusement, ça s'est terminé par un coup d'État, comme vous le savez, ce qui est bien navrant pour Madagascar. Donc j'ai travaillé sur les grands barrages, surtout avec les habitants déplacés. Et puis à un moment, je me suis dit, ça fait très longtemps que je tourne à travers le monde, et la France dans tout ça, que je ne connais pas parce que je suis parisienne, même si je suis née à Toulouse. Et nous aussi, on a englouti des vallées, on a déplacé des gens, et comment on l'a fait, dans quelles conditions? Et c'est là que j'ai démarré mes recherches sur la Corrèze et le Cantal, enfin les grands barrages de la Dordogne. Actuellement, je travaille sur Naussac, c'est en Lozère, et comme ethnologue. C'est le dernier chef-lieu de commune qui était entièrement détruit et englouti. Et tenez-vous bien, ils ont englouti toute la vallée en 1980, ce qui est très tardif. Et je travaille avec les personnes qui ont été déplacées, forcées, et sont toujours aussi fâchées. Donc, ce sont des travaux, si vous voulez, qui l'ethnologue, en fait, elle n'a pas, à mon avis, de pistes comme ça toutes tracées. À moins peut-être de suivre un professeur dont vous seriez le jeune binôme peut-être. Mais sinon, je pense que l'ethnologue fait sa trace. Et puis, c'est un peu les hasards de la vie aussi. Donc oui, je voulais vous parler en deux mots des livres que j'ai publiés. Donc là, vous avez quelques-uns des livres. Le pays Bissa avant le barrage de Bagré, ça c'est le premier livre que j'ai publié avec la préface de l'ambassadeur de France, Alain Deschamps. Ensuite, Bord les orgues, les mots sous le lac, avec la photographe Adélaïde Maisonnab, une Aveyronnaise qui a fait des photos magnifiques de ce livre, franchement. Et là, c'est Barrage et habitants, c'est 100 témoignages oraux avec les familles déplacées sur les 5 grands barrages de la Haute-Dordogne. Bon, j'ai aussi évidemment participé, comme tout universitaire et chercheur, à beaucoup de livres qui ont été édités par d'autres, des Anglais, des Américains, Indiens aussi, Renaud Maudit, toujours autour des populations déplacées et les grands barrages. Et puis à un moment, à force d'écrire des rapports et des rapports et des rapports et des articles et des articles et des articles et des bouquins universitaires et tout, et comme dit Française Duranton, il y a 15 personnes qui les lisent, il exagère un peu. Moi j'ai 20 000 personnes sur ResearchGate. Donc j'ai voulu écrire quelque chose de lisible en termes littéraires, et puis j'avais quand même cette frustration de jamais pouvoir aller dans des questionnements qui sont pourtant de l'anthropologie, de subjectivité en fait, et j'ai voulu travailler sur des choses qui m'intéressaient plus personnellement. Donc ce voyage à Dien Bien Phu, donc quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de votre club de lecture, on en reparlera. Et c'est sur la guerre d'Indochine. Et le deuxième volet, c'est une trilogie post-coloniale. Le deuxième volet, c'est Révolution et sorcellerie. Donc c'est ce que je vais vous présenter là. Et le troisième volet, mais qui n'est pas terminé, il faudra beaucoup m'encourager au club de lecture pour que j'arrive à le terminer. C'est difficile, c'est sur Madagascar. Alors, le Burkina Faso, là vous avez l'Afrique de l'Ouest, bon la France est au nord là. Le Burkina Faso, c'est un pays qui est partiellement au Sahel et partiellement en zone forestière, qui est là entre Mali, Niger, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire et Mali.
Voilà le Burkina Faso. Je suis désolée, on dirait que ma carte n'est pas très nette. Vous avez les grands fleuves. Là, c'est la Volta. Ce sont les Voltas, ces grands fleuves, ce qui fait que les coloniaux avaient appelé ce pays Haute Volta, comme vous avez la Haute Garonne, la Haute Pyrénées, il y avait aussi la Haute Volta. Alors, ce n'était pas très auto-centré. Hein. Le président Thomas Sankara a changé tout ça. Vous avez donc ce fleuve, vous voyez les deux grands bourgs, les grands chefs-lieux de province, vous avez Manga et Tinkodogo. Eh bien, le pays Bissa, il fait tout ce tour-là, jusqu'à la frontière du Ghana, qui sont évidemment des frontières artificielles, je ne l'apprends à personne. À l'époque, au Burkina Faso, entre 82 et 90, il y avait entre 7 millions et plus, et aujourd'hui, il y a 21 millions d'habitants au Burkina Faso. Donc la taille du pays, c'est la moitié de la France. Et à l'époque, la population rurale était entre 85% et 90%. Je me suis essentiellement intéressée à la population rurale, bien que je vivais aussi une partie du temps à Ouagadougou. Alors, sorcellerie et révolution. Donc, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup parlé de la révolution, déjà. Je ne suis pas la première anthropologue à associer en Afrique post-coloniale la politique et la sorcellerie. L'anthropologue Peter Gescher a déjà en 1995 publié Sorcellerie et politique en Afrique, la viande des autres, chez Cartala, bonne maison d'édition. Et en 1997, The Modernity of Witchcraft, Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Et aussi, vous avez Chabal et Dalloz, qui sont deux politistes, donc lui est anthropologue, Gescher. Deux politistes d'Oxford qui ont publié L'Afrique est partie du désordre comme instrument politique. Là, c'est la partie après le président Thomas Sankara, avec Charles Taylor, avec Blaise Compaoré, avec le dirigeant il y avait le Libéria et il y avait aussi le Sierra Leone. Donc là, c'était le désordre pour s'imposer sur la scène internationale. Donc eux aussi soulignent cette ténacité de la sorcellerie dans les relations politiques. Mais là, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment d'un point de vue anthropologique local. Alors, en anthropologie, en ethnologie, on n'aime pas ce terme. On n'aime pas ce terme de sorcellerie parce que pour nous, c'est vraiment vague. On met tout ça en vrac et puis on cherche un mot français pour mettre dans le vrac, là. Et on dit sorcellerie, en plus ça fait vraiment très colonial. Alors j'ai un ami, Blaise Patrick, que vous connaissez sans doute, ceux qui s'intéressent au Burkina Faso, qui est un peintre belge qui a vécu beaucoup d'années au Burkina, on était très longtemps ensemble là-bas, qui fait des magnifiques tableaux monumentaux, enfin il appuie énormément... La lutte des migrants pour être reconnus comme réfugiés, qui a lu mon livre, qui a beaucoup apprécié, puis qui m'a dit, mais tu sais, tu ne devrais pas mettre sorcellerie, c'est plus animisme. Mais animisme aussi, c'est un terme qu'en tant qu'anthropologue, on n'aime pas, parce que ça aussi, ça fait très colonial, en fait. Et puis, qu'est-ce que c'est, les âmes, on ne sait pas, c'est pas nous, enfin, on ne sait pas. Enfin, peut-être ça va approcher un petit peu après ma présentation, mais sorcellerie, animisme... Ce n'est pas les termes les plus pertinents. Alors aujourd'hui, le terme qui est le plus utilisé, c'est le lien entre le visible et l'invisible. Vous allez trouver dans tous les anthropologues aujourd'hui parlent du lien entre le visible et l'invisible. Mais vous comprendrez que pour un titre, si j'avais mis révolution et lien entre visible et invisible et une ethnologue, ouais, ça faisait un peu beaucoup. Donc finalement, je vous le présente là pour dire que bon, sorcellerie, c'était pas... une très bonne idée. Dans la région du livre, en plus, je précise, pour vous donner la méthode que je vais utiliser ici pour vous expliquer ces histoires de sorcellerie, ce n'est pas Mona Chollet la référence. Alors, vous avez, j'espère, tous lu ce livre magnifique, La puissance invaincue des femmes, un livre qui doit être ici, au moins en un ou plusieurs exemplaires, ça c'est certain. Très très beau livre. Alors là-bas, les sorciers sont des hommes.
sans aucun doute. Si vous avez une femme qui est sorcière, c'est une terminologie qu'on utilise localement en français pour dire que c'est une femme abandonnée, en fait. Ceux qui connaissent bien Ouagadougou, de l'autre côté des barrages, il y a un endroit où on met des femmes qui ont des troubles mentaux, qui sont considérées comme sorcières. Et il y a, paraît-il, un autre endroit encore à la frontière du Niger où si vous avez ce cas. Et là, ça se réfère plus à des femmes, si vous voulez, qui n'ont plus de réseaux sociaux, qui n'ont pas d'enfants pour s'occuper d'elles, etc., etc. Ça correspondrait, pour ceux qui connaissent le bassin Zaïrois, une doki. En fait, c'est la petite sorcière. Vous avez vu le film La petite sorcière africaine, je ne sais plus. Mais c'était un film très, très triste sur une petite fille qui était perdue dans un milieu où personne ne la connaissait et qui, du coup, était très, très maltraitée. Ben c'est ça, en fait, une sorcière en termes français d'Afrique, si vous voulez. Donc là aussi, ça ne va pas du tout comme terme. Et en plus, là où ce dont je vais vous parler, c'est des hommes qui font ces pratiques. Donc ma méthode, elle s'inspire, pour cette présentation, des deux expositions Magie et sorcellerie que vous avez vues au Muséum de Toulouse et qui est actuellement en cours au Musée des Confluences à Lyon. Donc là, le commissaire d'exposition pour la partie ethno-anthropo, c'est Julien Bondaz, du laboratoire d'anthropologie sociale. Et très clairement, je suis la bibliographie que vous trouverez, qui est disponible sur le site internet des deux expositions. Et voilà ma référence pour parler de, entre guillemets, sorcellerie. Alors, je vais vous présenter les acteurs de la sorcellerie dans mon livre, si vous voulez des liens avec l'invisible, avec mes photos de terrain de l'époque, et je vous amène en fait avec les personnages à une série de rituels qui vont entre 1982, 1983, 1987, etc. La révolution évolue jusqu'à un moment où c'est la contre-révolution qui va prendre le dessus. Et là, en tant qu'ethnologue, j'ai suivi ça parce que j'étais dedans. J'ai suivi ça avec un certain nombre d'événements et de personnages qui prenaient le dessus, et surtout de cultes et de rituels qui ont fait que, justement, à ce moment-là, c'était la fin de la révolution. Et malheureusement, brutalement, c'était l'assassinat de notre héros, le président Thomas Sankara. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter là, avec cette méthode-là. Donc d'abord Maya Maya. Donc Maya Maya, vous le voyez pas très bien là, dans sa case divinatoire. Hein, c'est une photo de 1982. Donc vous voyez la jeune ethnologue. Évidemment, maintenant je suis barbu avec les cheveux blancs. Et les ethnologues sont plus connus quand ils sont vieillissants que quand ils sont tout jeunes. Alors lui, c'est quand même très particulier sa pratique. C'est un devin, bien sûr. Vous avez la panthère, c'est un des animaux de protection très puissants en pays Bissa, avec l'éléphant et avec l'hippopotame. C'est un prestidigitateur, c'est un magicien, c'est un maître de l'illusion. Dans la référence bibliographique des deux expositions qui me servent de méthode, c'est Matthew Tompkins, Les mystères de l'illusion. Et il y avait d'ailleurs une conférence pendant la présentation de l'exposition au musée de Toulouse sur la magie, l'illusion, la prestidigitation, avec d'ailleurs un prestidigitateur pour ceux qui étaient. Je ne sais pas si il y en avait quelques-uns d'entre vous. C'était en plein Covid, ce n'était pas très facile d'y aller. Donc, si vous voulez, lui, c'est un maître dans les arts de la tromperie populaire, le théâtre de rue. Alors, il fait du théâtre de rue sur les marchés Bissa. Enfin, il faisait à l'époque. Moi, je vous parle d'une époque. Tout le monde a vieilli. Hein. Et beaucoup, malheureusement, sont décédés aussi dans mes personnages. Paix à leur âme et que la terre leur soit bien légère. Et il faisait du théâtre de rue à Abidjan, sur les marchés, à Ouagadougou, quand il allait à Ouagadougou. En général, c'était plutôt direct Pays Bissa, Abidjan, parce qu'il avait tout un réseau de tromperies là-bas. Donc sa grande spécialité sur les marchés, c'était réparateur de radio. Et il était très souvent recherché et en conflit, parce qu'il réparait les radios, mais souvent, une fois qu'il les avait réparées, il les revendait.
Donc la personne qui lui est confiée se fâchait un peu contre lui, mais on n'arrivait jamais à se fâcher contre Maya. Maya était vraiment quelqu'un de trop sympa. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais il avait un charme. Ça, quand on parle de charme, vous savez, dans la magie ou la sorcellerie, il avait un charme tel qui faisait que personne n'arrivait à se fâcher avec Maya Maya. Et pourtant, il subtilisait les radios, ça c'est clair. Et il faisait aussi la multiplication des billets de banque. Et dans le livre, entre autres, mais ça il le faisait à Abidjan, il ne se permettait pas trop de le faire au Burkina Faso. Et aussi, moi j'ai fait une grande folie, mais j'en ai fait plein à cette époque, donc finalement j'étais plus à une près. Je suis partie avec lui, avec Hortense, qui est un autre personnage du livre. Un coup de folie comme ça m'a pris. D'aller à Abidjan avec eux. Alors lui connaissait très très bien Abidjan. Il faut vous dire qu'il ne savait pas lire Maya Maya. Mais il se débrouillait très très bien à se repérer partout. Et Hortense, ma compagne révolutionnaire de l'époque, c'était vraiment, on l'appelait Madame la Patrie ou la Mort. On est parti en Côte d'Ivoire. Elle m'avait fait croire qu'elle connaissait la Côte d'Ivoire. Elle n'y était jamais allée de sa vie. Et on est arrivé au bout de 48 heures, assez rocambolesque pour ceux qui ont lu le livre, dans un bidonville en fait d'Abidjan en pleine nuit, avec vraiment des conditions très 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 spéciales. Mais c'était amusant parce que je voyais Maya Maya partir le matin avec des tenues différentes, ou la nuit, et il allait en fait harponner en fait les gens avec qui il essayait de faire la multiplication des billets. On était en plein Chester Himes, hein, les romans policiers de New York, dans les bas-fonds de New York. C'était assez. Ouais, mais justement, quelle est la limite entre la prestidigitation et la magie et la roublardise, oui. La limite, c'est la personne qui demande, le demandeur. C'est pareil pour tous les personnages que je vais montrer, si vous voulez. C'est quelle est l'intention que le consultant met dedans. Parce que c'est sûr qu'ils ont accès à plein de pratiques qui peuvent amener à nuire à autrui, avec beaucoup de connaissances qui peuvent amener dans plein d'états différents jusqu'à le décès. Alors le décès, ça peut être lent ou ça peut être ultra brutal. C'est tous les. Enfin bon, c'est vraiment des savoirs locaux là on parle. Hein. Mais lui, sa spécialité, c'était vraiment la divination et l'illusion. Ce monde-là, des mystères de l'illusion, enfin la prestidigitation et tout ça. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ok. Donc voilà Maya Maya, c'est un type très très sympa. Alors Goyandé, là vous êtes dans une autre forme de relation avec l'invisible. Vous voyez, c'est la personne qui fait la première page de mon livre, c'est un grand cavalier. C'est un personnage ultra puissant dans le village. Là vous le voyez avec son cheval, c'est un grand archer. Parce que les Bissa, c'était pourquoi le prestige des Bissa au Burkina Faso, c'était les archers. C'était les archers du Moronaba au XIXe siècle. Savoir lancer un arc à cheval, c'est vraiment un cavalier. Et lui, il le faisait. Et là, vous le voyez avec son zibaré. Donc, moi, personnellement, plutôt que de parler de sorcellerie, je préfère répartir dans les concepts locaux. Donc, ça, c'est la porte d'accès. Oh, pardon. C'est la porte d'accès Est-ce qu'il est mon zibaré ? Voilà. Au culte des ancêtres. Ce qu'il faut vous dire, c'est une société à culte des ancêtres. Ce qui fait que vous avez une sorte de quand même contrôle social par le fait que tout le monde essaye de rentrer dans le culte des ancêtres. C'est un enjeu fondamental qui fait que vous allez avoir des actions bénéfiques et le moins mauvaises, disons, possible dans votre vie, pour accéder à ce Graal qui est le zibaré. Et là, si vous voyez d'un point de vue matériel, on pourra en parler parce que j'en parle sur les autres hôtels, mais tout est basé sur une relation à l'hôtel, A-U-T-E-L, le rituel et le culte, et toutes les personnes qui ont la main sur le culte. Lui, c'est pas lui qui va égorger, il y a un sacrificateur à côté.
Donc là, vous avez ce grand personnage qui est dans mon livre plusieurs fois, qui fait partie de ceux dont les révolutionnaires, les CDR, mais qui sont tous de la même famille. C'est toute l'ambiguïté de la révolution. Il faut vraiment l'avoir de l'intérieur si on veut arriver à des nuances. Donc là, je continue sur mes histoires de sorcellerie, entre guillemets, disons, en relation avec l'invisible. Donc là, c'est une photo du chef, qui est du même clan d'ailleurs que Goyande. Donc là, vous avez le Doudo, c'est l'autel du chef. Là, vous avez un autre chef avec le Doudo, encore cet autel, mais lui, c'est gémellaire, très important la gémellité, surtout chez les Bissa, il y a beaucoup de jumeaux. Donc c'est le symbole de la puissance des chefs. Évidemment, pendant la révolution, première chose qu'a fait le président Thomas Sankara, c'est tout ça, tous ces féodaux là, ça suffit, on n'en veut plus. Les féodaux à bas, la chefferie à bas, c'est banni le chef, terminé les rituels de chefferie, surtout tout ce qui est collectif, parce que ça pouvait peut-être se continuer en douce. Mais tout ce qui est collectif, c'est fini, c'est-à-dire vraiment on tourne le dos à la cour du chef qui était avant l'endroit où tout se passait, où tout circulait, tous les aspects matériels des échanges et surtout les jugements. Et à partir du début de la révolution, à partir de 83, c'était les CDR, les comités de défense de la révolution, qui traitaient les jugements. Mais évidemment, il fallait qu'ils aillent demander à ceux qui savaient. Mais ça, c'est la réalité. Mais c'est très intéressant aussi, le chef, son cheval, est mort au moment où tout cela est arrivé, le début de la révolution. Il avait un beau cheval que je montais, vous allez voir une photo avec son cheval pie là, très bien dressé. Et il est mort, alors évidemment vous allez me dire, ah oui, mais non, les chevaux meurent, oui, bien sûr, comme par hasard, il est mort. Mais... donc, je continue. D'autres personnages, voilà un personnage très puissant, très sympa, que je n'ai vu que dans la bienveillance, lui. C'est le maître du Sipi, l'hôtel de Balaré. C'est un maître des génies de la chasse et de la protection du clan. Donc vous verrez qu'il a fait aussi la page de garde de mon premier livre. Là, c'était deux moments différents, mais c'est au pied du même baobab. C'est le même hôtel, c'est les mêmes Canaries, mais ce sont deux femmes différentes. Parce que ça, c'est essentiellement pour la guérison et pour la fécondité. Parce que l'une des choses qui sont le plus fréquemment demandées, c'est la fécondité. Quand il y a une rupture de fécondité chez les femmes, où les hommes n'osent pas en fait, reconnaître que ça peut être eux la cause. Donc, les deux fois où le Sipi était actif, mais il est actif très très souvent, ça a été pour des rituels de fécondité, et le maître du Sipi m'a demandé de venir avec mon appareil photo pour le prendre en photo, et évidemment j'ai remis les photos là-bas, je lui ai remis. Autre personnage, Timbuktu, dont je parle beaucoup dans certains chapitres, alors encore un personnage puissant, c'est un ancien combattant, vous voyez, il aime porter son casque colonial, son fusil bougre d'andouille et sa lance, parce qu'il n'y a pas que les arches, les arcs et les flèches chez les Bissa, il y a beaucoup de lances aussi. Et je l'ai vu malgré moi dans une pratique de sorcellerie, bon ça c'est sûr que ça arrive, là je parle plus de trucs individuels mais qui moins m'intéressent pas tellement, ne serait-ce que pour des raisons pour me protéger moi-même. Mais c'est-à-dire que j'essaye de vous montrer la sorcellerie à une échelle quand même politique, d'institution, si vous voulez, d'hôtel, de choses assises dans la vie publique. Mais il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie individuelles. Donc là, il était en train de tisser des fils avec un fil rouge au milieu, des crins, bon, je ne sais pas trop quoi. Il se trouve que je suis tombée... Il était aveugle, il avait certainement subi l'oncocercose, il était piqué par l'alcimilie, c'était une zone à oncocercose. Il avait un grand masque comme ça qui lui cachait tout le visage, et d'habitude, quand je m'approchais de sa case, je tapais des mains pour signaler que j'étais là. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là.
Donc je l'ai pris un petit peu comme ça, et il a ri, il m'a dit de m'asseoir, il m'a expliqué la situation, que son fils travaillait en Côte d'Ivoire, que le patron ne voulait pas le payer, que c'était très dommage pour le patron. Et donc aussi, moi aussi j'ai suivi un sort avec lui une fois. C'était en avançant dans ma... Enfin, je dirigeais à partir de 1984 l'ONG Action Internationale contre la faim. Et j'étais donc au cœur des enjeux. Ben, c'était ce que je cherchais. Hein. En fait, un chercheur, ben, il finit par trouver ce qu'il cherche. Hein. Faut pas vous faire d'illusions. On dit que le chercheur ne trouve pas, c'est pas vrai. Hein. Moi, je cherchais les problèmes, je les ai eus. Donc, je voulais absolument diriger, enfin aider, faire de l'humanitaire en direct, en vrai. Et du coup, il fallait aussi choisir entre les projets. Et il y avait un comité, bien sûr, de financeurs en France qui décidait de qui allait avoir quel projet et tout ça. Et j'avais emmené un jeune homme qui partait négocier les projets à la Commission européenne. Et je l'avais emmené à Gongoussougou, et il y avait deux projets en lice. C'était un projet de refaire complètement la maternité avec la matrone. Il se trouve que c'était l'épouse préférée de Timbuktu. Et l'autre, c'était un collectif de femmes qui voulait un périmètre irrigué avec tout ce qui allait avec. Elles avaient déjà fait beaucoup d'actions, et les deux étaient valables. Hein. Sauf que ils ont choisi le périmètre irrigué, donc je pense que Timbuktu n'est pas très très content du choix. Et puis un jour où je repartais après que le choix a été fait avec ce jeune homme qui allait négocier donc à Bruxelles, il nous a fait cadeau d'un canard. Alors canard, Laurent est là, il va au Burkina Faso tout le temps. Laurent, c'est le président de notre association d'amitié avec le Burkina Faso. Notre association existe depuis 2005. Et Laurent est ingénieur agro, il a passé beaucoup d'années au Burkina Faso et il y va tout le temps, il y va tous les 6 mois. Donc il peut vous dire que souvent quand on va dans la brousse et que les gens sont contents de nous, ou bien ils sont contents de nous dire bon, on ne vous doit plus rien, ils vous donnent un poulet ou une pintade. Ou parfois ça peut être un mouton ou une chèvre. Et donc on me donne un canard, bon, ouais, c'est un canard, j'y connais rien. Un canard, c'est un canard. Je sais très bien que c'est un canard, mais... Et le chauffeur vient me voir, il me dit, madame, le canard ne voyage pas. Je lui dis, excusez-moi. Il me dit, non, un canard ne voyage pas. Je lui dis, mais pourquoi ? Camarade, je suis révolutionnaire, le canard va voyager. Et puis, à ce moment-là, alors il me dit, non, un canard ne voyage pas, on ne peut pas mettre un canard dans une voiture. Effectivement, je n'ai jamais vu ça, mais bon, on ne m'avait jamais non plus expliqué. J'ai à ce moment-là un ami italien qui arrive avec sa grosse Ténéré 600, et il partait sur Tango Dogo, et puis il me dit, mais tiens, Armel, tu ne vas pas t'embêter dans la voiture, vous allez faire tout le tour, moi, je te fais passer par le lac sacré de Wesi que tu aimes tant, on va faire du... On va passer que sur les pistes de brousse, viens avec moi. Bon, alors je négocie un peu avec les autres qui me disent oui, bon, d'accord, on se retrouve à Garango. Donc eux, ils font tout le tour, sauf que, pas de chance, le pare-brise claque. Ouais, ça, Laurent, tu sais, ça arrive parfois. Moi, j'avais jamais eu même un pneu crevé. Ça faisait pas mal de milliers de kilomètres qu'on faisait. Donc le chauffeur a commencé à m'accuser à ne plus avoir la baraka. J'aurais jamais dû faire voyager ce canard. Donc, pour un peu alléger l'ambiance avec lui, j'ai pris le canard, je l'ai donné à mes amis italiens, enfin, qui eux l'ont donné au cuisinier. Et il se trouve que le cuisinier a fait une crise d'épilepsie 2 jours après. Bon, écoutez, moi, j'en sais rien. Simplement, je me suis dit quand même, Timbuktu, c'est pas très sympa de sa part, quoi, le canard. Mais bon, c'était pas visiblement contre moi, mais plus contre ses choix, je suppose. Hein. Donc je continue les forgerons. Alors les forgerons, là, on est vraiment dans le cadre institutionnel et pas dans le cadre individuel de ce qu'on appelle improprement la sorcellerie, et qui est donc des relations avec l'invisible. Vous avez là la pierre, une pierre très puissante, cette pierre-là. Donc vous voyez, ce monsieur, c'est un maître des forgerons, un des plus grands maîtres de forgerons de là-bas.
et vous avez mon assistant qui est en train d'enregistrer tout ce qu'il est en train d'expliquer. Rien qu'à la façon qu'il vous raconte, vous savez que là, il vous dit quelque chose qui sort vraiment de la vérité. Et là, vous avez l'atelier des forgerons, donc à l'intérieur, où le dispositif est bien connu et bien étudié par les archéologues burkinabés. Vous avez le soufflet, là, vous avez le foyer, là, vous avez toujours quelqu'un qui active le soufflet, et là, vous avez... Là, il tape sur une pierre, mais qui n'a rien à voir avec cette pierre. Ça, c'est une pierre sacrée. L'enclume, c'est une pierre particulière, mais l'autre est vraiment sacrée. Alors, ces pierres très sacrées, là, elles peuvent servir à envoyer le feu à distance, elles peuvent provoquer des incendies, elles peuvent surtout soigner. Il faut vous dire toujours l'ambivalence de ces savoirs et de la façon dont on les utilise. Enfin, les forgerons, moi, personnellement, ça a toujours été des amis. C'est toujours des gens vraiment qui m'ont toujours protégée. Peut-être que je m'appelle Fort, donc Fort, forgeron, il y a peut-être un truc, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu de problème avec des forgerons. Alors, la puissance de cette pierre, donc ça c'est pour, là nous avons, là c'est les particularités du pays Bissa, c'est quand même ces histoires de forgerons par rapport au Mossi. Les forgerons ne sont pas des castes. En fait, ils se marient avec les enfants des chefs et avec d'autres clans. Ce ne sont pas du tout des castes. Par contre, ils ont une force et un savoir qui fait que c'est... Enfin, dans la hiérarchie politique, si vous voulez, de la collectivité, le forgeron, c'est toujours quelqu'un de très assis et très calme parce qu'il peut parler derrière le chef. Quand vous avez un jugement de chefferie, généralement, tout ça, c'est en termes de consensus, hein, ça fonctionne par conseil. Si le chef parle et dit, voilà, ça va être comme ça, le chef de forgeron ne dira rien, mais s'il dit quelque chose, c'est ce qu'il a dit qui est le plus important. Il y a aussi, évidemment, l'anecdote qu'on m'a donnée pour m'expliquer, c'est que le forgeron peut prendre la calebasse de Dolo entre les mains d'un chef. C'est une métaphore, mais ça veut dire beaucoup. Mais encore une fois, ce n'est pas chez les Mossi, c'est chez les Bissa. Alors, je continue ma galerie de portraits des personnages que vous trouvez dans ce livre, qui traite avec l'invisible. Alors, Karga Naaba, avec l'hôtel du Wozi. Là encore, vous avez tout ce qui est les objets chargés de sens, de pouvoir. Vous avez ces amulettes, les tambours, les hochets, les chasse-mouches, les poteries consacrées qui sont remplies d'ingrédients pour soigner. Karganaba, le Wozi, c'est vraiment l'élément du paysage le plus puissant avec la montagne Boulougou de Garango. Ces deux éléments paysagers, l'un une grosse montagne, qui est on a donné le nom à la province, et l'autre un lac artésien. Donc, si vous voulez, l'eau rentre en permanence, même quand il y a une sécheresse étonnante, il y aura toujours de l'eau là. Et je vais en parler un petit peu plus tard, enfin vous montrer des photos. Ce chef de Karga, il n'est pas du tout chef, c'est un prêtre de culte. Il est donc responsable des relations avec ce culte. C'est un culte très puissant chez les Bissa, très bienveillant. Évidemment, on peut toujours faire autre chose avec, hein, mais c'est vraiment des hôtels de protection, de soins, de guérison. Oui. Alors, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça, je vous encourage toujours, en suivant la bibliographie de Julien Bondaz dans les deux expositions sur la magie et la sorcellerie dans les deux musées, vous avez la série de ces trois livres qui ont été publiés par le musée d'Appert, pour ceux qui avaient l'habitude d'y aller à Paris, j'y allais très très souvent, Grand Héritage, Magie et ses statues. Vous n'avez pas ce statuaire en pays Bissa. C'est vraiment localisé dans certains endroits, mais par contre, tout ce qui est autour, qu'ils essayent de montrer en termes matériels, vous le retrouvez sur ces hôtels. Alors voilà Bayongo, personnage très important dans mon livre,
personnage à qui je dois beaucoup. C'est vraiment grâce à Bayongo que, d'abord, que j'ai pu aborder le monde sauvage, parce que c'est un vrai terme chez eux, et que qu'il a accepté de passer énormément de temps avec quelqu'un qui, évidemment, avait du mal à comprendre, hein, parce que ça n'a rien à voir avec nos façons de penser, et aussi à me protéger, parce que c'était pas très facile, toujours. Et donc, j'avais toujours la certitude que quand il faisait trop chaud à Ouaga, quand il y avait trop de moustiques, qu'il y avait trop de poussière, qu'il y avait trop de pression pour les résultats de l'ONG, eh ben, j'avais à peu près 24 ou à peine de temps d'aller le retrouver au fond de la forêt, sur le bord de la Volta. Et à chaque fois qu'il me voyait arriver, c'est un peu comme s'il savait que j'allais venir. C'est un peu les illusions qu'on se fait pour vivre bien. Et il était tellement sympa. Et bon, il fallait vraiment arriver là-bas. Hein. C'était très loin. C'était quelqu'un d'incroyable. Et c'est surtout, il vivait à côté du lac sacré. Et ça, il n'y a que lui qui était capable de vivre au milieu de la forêt avec tous ces animaux sauvages, avec tous ces trucs sauvages. Il n'y a que lui qui le faisait. Alors, c'est un grand chasseur, il est très respecté, c'est un grand devin, c'est le plus grand chasseur de la région. C'est un grand devin, il est au courant de tout. Moi, c'est ce que je trouvais hallucinant, quoi. Je pensais que j'étais assez bien informée quand même en tant que directrice d'ONG. Je faisais partie du SPONG, du secrétariat permanent des ONG, qui m'avait fini par m'accueillir. Hein. C'est un tout petit, il n'y a que 20 ONG qui sont dans ce petit club. J'étais aussi bien informée avec le bureau de suivi des ONG du président, qui est à la présidence de Sankara, puisque j'avais accepté de prendre des projets qui venaient directement du chef d'état-major des armées, qui était en Pays Bissau. Et lui était mieux informé que moi, alors qu'il était au fin fond de la brousse. Pourquoi ? Parce que, comme il était très connu, les Bissau venaient même du Gabon, pour venir faire une séance divinatoire avec lui. Il venait de Côte d'Ivoire, il venait un par un, Katimini. Et lui, bah, il discutait avec... Bah, il était toujours au courant de tout. Alors, il faut quand même bien comprendre l'institution, le poids de l'institution. Il reste un chasseur, il reste un subalterne dans la hiérarchie politique. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que... quelqu'un qui traite avec le sauvage en permanence aussi, quelqu'un qui met en danger tout le temps sa famille, parce que le sauvage c'est pas gentil, quoi. Je veux dire, c'est comme un ours, quoi. C'est pas quelque chose avec lequel vous allez faire ami-ami. Il peut tout se passer tout le temps. Et il avait perdu en particulier énormément d'enfants. Il vivait seul, il avait eu un certain nombre de femmes. Et là, il n'en avait pas à ce moment-là. C'est pour vous dire, il ne faut pas croire que c'est une histoire de bisounours. Pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, de traiter avec le sauvage. Donc, lui, il utilisait pour les ingrédients, non seulement le végétal, toute sa connaissance de la botanique, aussi beaucoup d'ingrédients d'animaux sauvages. M'arrivait de voir étendu des tripes d'animaux, enfin des intestins et autres, et je lui demandais ce que c'était. Par exemple, l'oryctérope. Mais à chaque fois, ben ça, pour tuer l'oryctérope, il n'y a que les meilleurs chasseurs qui arrivent, parce que c'est un animal très, très, très timide, qui ne sort que la nuit, et quand il est sûr de prendre aucun risque. C'est quoi comme animal ? Ah, l'oryctérope. C'est un genre à part pour les naturalistes. Ça ressemble vaguement à un tamanoir parce que c'est un grand nez, une grande queue à l'arrière. Ça pond des œufs, si je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas vous dire bêtises. Il n'y a pas un naturaliste ici qui peut me seconder. Non. En tout cas, l'oryctérope, c'est un animal à peu près de cette taille-là, que vous voyez au muséum, pas d'ici, mais au muséum de Paris. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il ne voit pas très bien, il est très nocturne. Enfin. Oui, un animal bizarre, quoi. À
Alors, ça n'a pas de carapace. Ah oui, autre caractéristique, il a d'énormes griffes et il est capable d'ouvrir la terre, le ventre de la terre, avec une vitesse incroyable. Et beaucoup d'animaux lui doivent son leur terrier. C'est un animal qui rentre très, très rapidement dans la terre. D'accord. C'est une autre caractéristique. Si d'autres choses me reviennent, mais bon, il faudrait un bon naturaliste pour vous le dire plus scientifiquement, ce que c'est qu'un oryctérope. Donc là, vous le voyez en photo en 1985, en pleine séance divinatoire. Donc il traite avec les génies, avec les animaux de la forêt, 5 mètres du monde sauvage. On va entendre parler de lui, bien sûr, quand il va y avoir ces grands moments de révolution et contre-révolution. Là, vous avez le lac sacré. Là, vous avez le lac sacré de Wosi. Alors là, c'est le monde de l'enchantement. J'ai eu la chance de participer 2 fois au culte triennal, parce que c'est tous les 3 ans, le culte des fidèles sur ce lac sacré. Donc, comme c'est au fin fond de la forêt, sur le bord de la Volta, il faut un certain temps pour y arriver. Et là, il y avait 300 fidèles qui se réunissaient. Ça durait 3 jours. Les gens n'arrêtaient pas d'arriver avec des animaux à sacrifier, soit pour remercier ce qu'avait fait le génie, le grand génie, soit pour demander quelque chose. Et ces fêtes, c'est vraiment des choses incroyables à vivre, parce que tout le monde est là, tout le monde se connaît, tout le monde court partout, les gens se connaissent depuis la Côte d'Ivoire, il y en a qui venaient du Gabon, les gens se connaissent à Paris. Hein. Tout ça, c'est un lieu de très forte émigration, le pays Bissa. Alors aujourd'hui, je fais une petite parenthèse pour parler de mes collègues, des plus jeunes générations après moi, qu'on appelle maintenant G2 et G3, qui travaillent sur le pays Bissa, donc Benoît Hazard du CNRS, qui, paraît-il, après avoir lu mon livre, c'est ce qu'il m'a dit, est parti en pays Bissa et il a parti à Berdo. Pas le livre Révolution et sorcellerie qui n'était pas publié, mais le livre sur le barrage de Bagré. Et il a travaillé avec les migrants qui partaient en Italie sur les plantations de tomates du sud de l'Italie. Il a fait un travail absolument remarquable sur ces migrations. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce seraient les migrants d'Italie aussi qui viendraient là. Mais quand je faisais mes recherches, moi, là, cette migration était juste au tout début, elle avait à peine commencé. Alors donc lui, c'est G2, donc il est Benoît Hazard, c'est la génération après moi, et on a maintenant un jeune post-doctorant au musée du Quai Branly, qui a fait sa thèse sur le pays Bissa, qui lui aussi a lu ce livre, le pays Bissa avant le barrage de Bagré, et a décidé de partir en pays Bissa, avec l'aide d'ailleurs de Benoît, et qui travaille, lui, sur la famille, la cour, parce que c'est très important, les relations à l'intérieur d'une famille en pays Bissa. C'est un endroit très, très étonnant. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça, pour vous dire que le monde change. Donc, moi, c'était des migrants qui venaient plutôt de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et un peu du Gabon, mais aujourd'hui, ça serait plutôt du sud de l'Italie qui viendraient pour ces grandes fêtes triennales. Alors, bon, là, c'est toujours un tas de petits... on a toujours tellement à dire sur toutes ces photos. Donc là, vous avez les hippopotames. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le panthéon, vraiment, de la hiérarchie du monde sauvage. Vous avez les éléphants, les hippopotames, la panthère. Ça, c'est vraiment les animaux les plus importants. Et quand vous êtes maître d'un territoire de chasse, comme par exemple le Sipi, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, c'est l'éléphant. Donc c'est un grand territoire, vous savez, la troupe d'éléphants fait un grand territoire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Mais l'hippopotame aussi a des interactions très intéressantes pour les naturalistes, ce qu'on appelle des interactions trophiques. C'est-à-dire qu'il emmène tout ce qui est dans le fond du lac pour aller les disperser sur la partie terrestre, et ce qui permet d'enrichir les sols et aussi de disperser tout ce qui est biodiversité. Donc il a un rôle, c'est les gens qui travaillent dans la biodiversité qui m'ont expliqué ça, des Bissa,
à la tête des directeurs des eaux et forêts là-bas, qui m'ont dit, mais oui, mais ce n'est pas seulement la symbolique, ce qui t'intéresse. Il faut savoir qu'ils ont un rôle très important dans la biodiversité, ces animaux-là. Donc, en fait, si vous voulez, je vous parle aussi de savoir naturaliste que ces gens-là ont et sur lesquels ils s'appuient pour, augmenter, enfin, pour avoir leur propre savoir, pouvoir de guérison en particulier. Ce grand génie, c'est essentiellement pour la fécondité. Pour la fécondité, pour les bienfaits, pour soigner, pour améliorer tout. Vous voyez, là vous avez quelqu'un en train de sacrifier. Bon, c'était beaucoup des hommes qui venaient sur le bord, mais c'était pour la fécondité de leurs épouses ou de leurs sœurs. Et là, eh bien, vous avez Placide, qui est un des personnages du livre, dont je parle beaucoup, qui est le frère de Maya Maya aussi, et qui venait avec mon poulet, puisque moi aussi j'avais des souhaits. Là, c'était en 84, et je commençais à trouver que bon, maintenant, j'avais bien mon terrain, mais je n'avais pas encore mon sujet de thèse et tout ça. J'étais toujours à la recherche de mon sujet de thèse, et je voulais revenir, vraiment revenir, longtemps. Et j'avais apporté mon poulet pour demander au génie qui m'aide à trouver les moyens de revenir longtemps. Et évidemment, ça a marché. Le chercheur trouve, quand il commence à chercher, bonne chance, Romain. En tout cas, je suis revenue longtemps. Donc voilà, là, je vous montre ce personnage qui est un personnage à part entière dans le livre. Hein, ceux qui l'ont lu l'ont dû le remarquer. Donc je vais vous faire un récapitulatif des termes utilisés pour parler de ce terme improbable de sorcellerie et inapproprié. Donc disons, il y a donc les devins, les prêtres, les guérisseurs, les maîtres des génies du monde sauvage, les illusionnistes, prestidigitateurs, magiciens, sorceleurs, hypnotiseurs, ventriloques. Ça, c'est tout le monde de l'illusion. Les hôtels à UTLEL, il n'y a pas de relation au monde invisible en général. Enfin, il peut y en avoir qui traitent autrement, mais sans hôtel dans ces pays-là, dans cette région-là. Des objets chargés de sens et de pouvoir, amulettes, tambours, hochets, etc. Des objets de protection, de divination, de maléfices, bien sûr. Toute la matière organique des animaux sacrifiés et de toutes les plantes. Bon, je n'ai pas voulu vous en faire un laïus là-dessus, mais vous le trouvez dans les bouquins. Évidemment, tout est rituel, parole. Là, on sort de l'aspect matériel. Prière de conjuration, de malédiction, guérir, bénir, maudire, mobiliser tout le temps des forces vitales. C'est des questions de protection, bien sûr, toujours de savoir, de grand savoir naturaliste, de croyance aussi, d'enchantement. Enfin, franchement, le bord du lac, vous pouvez y rester des heures et des jours, c'est l'enchantement absolu. Il y a aussi des secrets, des mystères, hein, ça. La botanique, tout à l'heure, j'ai vu passer Boris Pressec, j'aurais bien aimé qu'il vienne écouter tout ça, parce que c'est vraiment un grand botaniste du Muséum de Toulouse, et malheureusement, il avait un train. Il ne pouvait pas venir. Donc, il y a aussi des sortes de drogues, de plantes magiques, de plantes hallucinogènes ou toxiques. Je précise que nous avons ici Romain Haquet, qui est un jeune chercheur interne en pharmacie, qui est là et qui pourra répondre à vos questions sur tout ce qui est les psychotropes et plus particulièrement les psychédéliques. Vous savez qu'il y a un grand débat actuellement sur l'usage des psychédéliques pour soigner beaucoup de perturbations et pour alléger les souffrances de personnes, en particulier en fin de vie. Donc on m'a souvent demandé, mais est-ce qu'ils utilisent des psychotropes, hallucinogènes et tout ça? Bon, évidemment, moi, ça m'est arrivé qu'on me serve une tisane qui m'a plané, mais je ne sais pas si c'est parce que c'était la tisane ou si j'étais déjà ailleurs. Je ne peux pas répondre à ça, mais vous pouvez discuter avec Romain. Et puis, de toute façon, j'espère bien qu'il va y avoir un G4, c'est-à-dire un nouveau jeune là, qui va vouloir se passionner pour le pays Ibiza et aller voir. Jusque-là, j'ai découvert G2 et G3 parce que je ne m'étais pas intéressée aux chercheurs français. En fait, je connaissais que les chercheurs burkinabés dans les décennies qui sont passées. Et j'ai découvert qu'il y avait des chercheurs en France qui s'étaient intéressés à mes travaux, mais ça a été un peu surprenant. Mais du coup, on est tous devenus des amis, là. Donc, toutes ces histoires du monde visible et invisible, c'est quand même beaucoup pour traiter les questions de fécondité,
traiter des maladies et aussi le malheur, parce que ça arrive. Donc, je préfère le terme lien entre visible et invisible. Je vous ai parlé, je crois, ou si je ne l'ai pas fait, je suis obligée de le faire, des confréries. Parce qu'à un moment, je me suis posé des questions, parce que quand vous lisez les livres sur la sorcellerie, tout ça, ça a l'air assez public. Mais en Pays Bissa, il y a une partie des rituels qui est publique, comme ce que je vous ai montré. Tout ce que je vous ai montré est public. C'est-à-dire, vous pouvez y avoir accès à partir du moment où vous avez un ami qui va vous emmener dans, sur les hôtels, où vous acceptez d'apporter votre poulet ou pas, enfin, ça vous regarde. Vous vous intéressez à ces choses-là, mais ça, c'est les aspects publics. Après, vous avez énormément de rituels qui sont secrets, qui sont réservés à des confréries. Alors, quand j'avais amené ce truc à mon directeur de thèse, Michel Izard, du laboratoire d'anthropologie de Claude Lévi-Strauss, il m'avait dit, oui, mais Armel, qu'est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez préciser? Alors, j'avais dit que, forcément, par déduction, il y avait des confréries, mais que c'était par déduction, parce que ce n'était pas quelque chose auquel j'avais envie d'avoir accès, premièrement, et ensuite auquel je pouvais avoir accès. Sauf que comme j'avais très longtemps séjourné sur place, il y avait toujours quelqu'un le lendemain matin qui venait me voir et qui me disait « Ah, mais Armel, tu ne sais pas ce qu'on a fait hier soir, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait ?» Alors, on me donnait le nom des gens que je connaissais, et Bayongo en particulier, puisque la dernière année, en fait, j'étais vraiment à fond dans le monde sauvage, à essayer de comprendre. Et lui, bah, il prenait tout son temps pour essayer de trouver des termes que je puisse comprendre. Et on avait fini par trouver ce concept qui était clé, que Michel Izard a accepté comme la première fois qu'il entendait ça au Burkina Faso, et que c'était vraiment une contribution du monde des Bissa à l'anthropologie africaniste. Donc c'est le Kirg. Le Kirg, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des... En fait, chacun d'entre nous, on a quelque chose de sauvage. Et l'espace dans lequel on vit, qui est domestique, souvent, on fait la différence entre le monde domestique et le monde domestiqué, si vous voulez, les jardins, les champs, tout ça. Et puis après, la forêt et le monde sauvage. Mais chez eux, non. En fait, le sauvage, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et chaque individu a un Kirg. Kirgus, c'est quelque chose qui est libéré de votre double sauvage à la naissance avec le placenta. C'est pour ça que le placenta, c'est un truc très, très, très important. Et il est mis dans une poterie. Et après, par la suite, il est enterré selon ce que disent les devins, de là où il va aller et tout. Et on va toujours traiter, enfin, le devin, les guérisseurs, vont toujours, surtout le devin, les vrais devins. Je ne parle pas des charlatans, je parle des vrais devins, vont traiter la guérison avec ce Kirg qui existera toujours. Là, je le dis aussi s'il y a des sages-femmes dans la salle, parce que c'est souvent difficile à comprendre pour des occidentaux, mais le placenta, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme ça dans la chimie pharmacologique à Lyon et tout ça. Pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de vous et jusque toute votre vie, et on peut pas vous le couper, on peut pas vous le prendre. Donc ces gens traitent le Kirg, c'est le Kirgare, enfin c'est ce double sauvage. J'essaie d'expliquer des trucs compliqués. Hein. Quand vous avez ces confréries, elles peuvent jouer à la fois sur des questions de thérapie individuelle. Par exemple, quelqu'un qui a des troubles mentaux, c'est souvent des femmes dans ces cas de confrérie, quand il y a de la parole oraculaire à un niveau institutionnel qui va sortir, l'histoire de la panthère dont je vais vous parler. Mais il faut savoir qu'il y a aussi cette présence du monde sauvage chez l'individu qui peut être traité aussi. Donc là, les rituels, je vous excuse, moi. Je vais parler des confréries parce qu'il y a aussi des confréries qui... Vous avez peut-être entendu parler de ça, je ne sais pas. On venait me raconter le lendemain, parce que ça, c'est aussi secret. Hein. C'est les interrogatoires du cadavre après la mort. Très important chez les Bissa.
Donc, je vous ai montré le zibaré tout à l'heure, et je vous ai montré le culte des ancêtres, qui est une forme de contrôle social aussi. Chacun veut devenir ancêtre, en fait, et essaye d'accéder au culte des ancêtres, surtout vers la fin de sa vie, parce qu'il a pu faire un tas de trucs qui vont faire qu'on va lui critiquer. Et l'interrogatoire du cadavre, c'est quand chez les Bissa, quelqu'un de puissant, hein, je pense qu'ils ne vont pas faire ça à tout le monde, et décède. Donc là, c'était dans les événements dont j'ai parlé, c'est la famille du chef d'état-major des armées, c'est pas petit comme on dit. On a interrogé le cadavre qui venait de décéder, pas lui, hein. Après là, ces histoires-là, j'ai pas été au courant. Et il a avoué avoir tué par magie, occultisme, 60, je sais plus combien, non, j'ai dit des bêtises. C'était combien dans le livre 16, je crois. Un certain nombre de personnes. À partir de ce moment-là, on peut décider qu'il n'appartiendra pas au culte des ancêtres. Mais c'est des décisions très violentes. Hein. Donc, si vous voulez, en gros, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est à l'intérieur des cours. Les cours sont entourés de hauts murs, ce qui fait que vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les murs. Et il y a le chef de ce culte, le prêtre, qui est un grand hypnotiseur, sans doute, et qui fait courir le brancard. Il y a deux personnes qui tiennent le brancard. Le cadavre est censé courir dans la... et de désigner un endroit où des choses sont cachées. Effectivement, on déterre et on trouve. Enfin, tout ça est très compliqué. Moi, je ne fais que vous raconter ce qu'on m'a raconté, parce que bien entendu, on ne peut pas avoir accès à ça. Tu nous expliques comment le cadavre court ? Ah, ben ça, ce n'est pas que chez les Bissa. Hein. Au Mali aussi, il y a des cultes comme ça. Là, si vous voulez, deux personnes tiennent sur un brancard le cadavre. C'est quelque chose qu'on voit très souvent en Afrique. Hein. C'est pas... Il n'y en a pas dans les films de Jean Rouch, parce que dans les sociétés qu'il a étudiées, il y a beaucoup d'autres formes de... Lui, c'est plutôt les trans et les cultes de possession. Alors là, je vous ramène à une ethnologue qui a enseigné à Toulouse et qui fait un très intéressant travail, qui s'appelle Agnès Kedzirka Manson. J'espère que les jeunes ethnologues, les anthropologues, là, vous êtes allés écouter ses cours. Maintenant, elle est à Paris. Elle a enseigné 5 ou 6 ans ici. Elle fait un très, très beau travail sur les malinqués, et en particulier autour des cultes de possession. Ces cultes de possession sont maintenant très bien connus, mais avec ces travaux, on commence à avoir des détails qu'on n'avait pas. Alors, ils sont connus depuis les travaux de Jean Rouch. Si vous prenez tous les films de Jean Rouch, vous avez des films sur les rituels de possession. Ça, c'est aussi une autre partie, mais ça n'existe pas, là où j'ai travaillé. Vous savez, il y a 54 pays africains. À l'intérieur des pays africains, vous avez des dizaines et des dizaines d'ethnies, avec des pratiques culturelles très variées. Laurent pourra vous parler de son séjour au Tchad. Je crois qu'on en parle souvent tous les deux, parce que c'était quand même très, très prenant. À peu près la même chose que pour moi d'être entré aussi loin dans le pays Bissa. Mais ne serait-ce qu'au Burkina Faso, vous avez... ça a été repris actuellement par les jeunes ethnologues du Burkina Faso. Actuellement, ils ont répertorié, il y a un rapport que vous pouvez trouver sur Internet, 80 ethnies, 80 langues différentes. Ce ne sont pas des patois, ce sont des langues à l'intérieur desquelles il y a des patois. Par exemple, le Bissa, vous avez 3 types de Bissa. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais c'est une seule ethnie parmi les 80. Donc j'étais partie des confréries parce qu'on ne peut pas échapper à cette notion. Sauf que c'est caché, si vous voulez, c'est secret. Mais évidemment, quand vous êtes sur place, eh bien, d'abord par déduction, et puis aussi parce que vous êtes informé. Donc j'ai parlé des rituels qui structurent la vie communautaire. C'est important pour les anecdotes que je vais vous dire, qui vont boucler entre la sorcellerie, la révolution, et revenir à la fin de la révolution. Il faut savoir interpréter les signes que tout le monde comprend. Et ça, c'est le rôle de l'ethnologue qui reste très longtemps sur un terrain. Parce que avant d'être imprégné comme ça d'un autre savoir, il faut des années, en fait, des mois, des années. Sinon, vous restez... Il y a beaucoup d'ethnologues, il y a un très beau livre, je ne sais pas, Romain, tu te souviens, je t'ai conseillé récemment un livre d'un Colombien que j'ai trouvé génial, L'Oiseleur...
Oui, alors ça c'est vraiment très chouette parce que c'est un très beau livre d'ethnologue que je vous conseille. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre groupe de lecture. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. C'est vraiment un livre d'ethnologue, mais d'ethnologue qui vit, si vous voulez, dans un labo et qui doit ramener des données à son labo. Et à chaque fois, il revient pour son labo. Donc, si vous voulez, souvent, les ethnologues n'ont pas le temps de passer des années sur place. Ils sont obligés de le faire dans un cadre assez précis, qui est assez contraint, en fait, et qui ne leur donne pas la possibilité d'accéder comme ça à tous ces signes qu'on ne peut connaître que dans le temps, et parce qu'on a trop baigné là-dedans. Mais ces signes, si vous voulez, quand on vous les dit, ben, tout le monde comprend. Donc, je vais vous raconter pour ça cette histoire de panthère que je vous raconte depuis le début, là. Voilà. Donc, c'est le paroxysme de ce livre, les deux derniers chapitres, qui est déclenché par l'idée d'appliquer la réforme agraire et foncière qui a été écrite par le président Thomas Sankara en 666 points parce qu'il savait qu'il sortait l'Apocalypse et qui, pendant 4 ans, n'a pas été appliquée. Et à ce moment-là, les révolutionnaires discutaient énormément entre eux à Ouagadougou et des tendances variées se heurtaient pour arriver à radicaliser la révolution au Burkina Faso et évidemment dans un pays à 85-90% rural, transformer radicalement la relation au foncier, c'est 666 points. Sankara n'est pas de n'importe où, c'était pas les peuls de Barani, c'était, est-ce que je me fais comprendre, des Burkinabés, les peuls de Barani, le royaume de Barani, les peuls. C'était un groupe subalterne, en fait, d'une société ultra hiérarchisée, et il faisait partie des gens qui défendaient les sans-terres. Tout ce monde qui était toujours mis à part, les Rimaébé, ces peuls, alors lui n'en faisait pas partie, hein, ces peuls esclaves, si vous voulez, qui étaient tout le temps à faire les travaux les plus humbles, et lui, il avait décidé de donner des terres à ces gens-là, des droits à ces gens-là, de changer vraiment la société profondément. Et à partir du moment où l'application de la réforme agraire commençait à se discuter, avec en particulier le discours de Tenko Dogo et ce qui s'est passé, le séminaire de Tenko Dogo, là, il y a des forces qui se sont révélées au Burkina Faso, contre-révolutionnaires, et j'ai pu maintenant, avec le recul, observer tout ça. Et donc, nous, ça a démarré. J'habitais toujours chez le chef de village, mais il n'y avait plus de chef, donc... il n'y avait plus de chef, il n'était plus chef, il n'y avait plus de jugement chez lui, il n'y avait plus de circulation des échanges commerciaux chez lui, il était seul, son cheval était mort, et il y avait encore les cultes aux Ibarés, mais c'était caché, et il n'y avait plus eu de culte de la chefferie collective depuis le début de la révolution de 1983. Un beau matin, j'entends des cris dans la cour, et je sors, et je vois le chef et des petits bergers qui arrivent en pleurs. On nous a tué les moutons. Les moutons sont égorgés. C'est affreux. On avait mal fermé la bergerie. C'est à pleine lune. Il y a les manguiers. Les petits moutons sont. Les moutons sont partis se gaver de mangue et elles se sont fait tuer. C'est horrible. Bon, il pleurait. Je regarde le chef. Il dit rien. 10 jours après, c'est les moutons du délégué des CDR, Comité de défense de la révolution. La révolution, les révolutionnaires. Là, ça y est, les deux acteurs du rituel, les événements, ça y est, c'est clair. Les CDR disent, alors évidemment, tout le monde dit oui, mais il faut aller chercher Bayango, c'est très dangereux, on est en mai, en juin, juillet, ça va être la saison des pluies, le Nil va monter. Quand les femmes vont rentrer le soir avec les enfants, c'est très dangereux. La panthère va attaquer les petits-enfants, elle va faire des dégâts, c'est dramatique, on ne peut pas laisser la panthère. Il faut aller chercher Bayango, il faut qu'il organise une battue.
Et puis les CDR, quand même, bon, cette panthère, elle appartient aux eaux et forêts. On va faire une lettre aux eaux et forêts pour les prévenir qu'il y a une panthère, il faut faire quoi? Donc vous avez déjà deux camps qui se forment. Bayongo est appelé, Bayongo vient dans son village. En même temps, une femme a des troubles mentaux, tout le monde le sait. Il va falloir faire des rituels autour. Et à ce moment-là, ces rituels de guérison des femmes s'associent, quand c'est un événement de cette importance, à la parole oraculaire, donc si vous voulez, de ces personnes qui détiennent, hein, si vous allez me dire, c'est un peu du Détienne, c'est un peu la société grecque, là, du Martial Détienne. On est dans la parole oraculaire, mais elle a un pouvoir réel dans des cas comme ça. Et donc, il y a à la fois cette battue. Moi, je voyais tout le temps à ce moment-là Bayongo, puisque je faisais encore mes recherches sur le monde sauvage, toujours là. Et il me disait, écoute, hein, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Hein. Il y a peut-être dans une petite caverne, là, j'ai vu un peu une trace, mais je ne suis pas du tout sûre. Et les autres, là, bon, c'était ces deux blocs-là. Et en même temps, les choses commençaient à bouger partout, à Garango. On a commencé à voir, je vous ai parlé de la montagne, qui est l'autre grand génie. La montagne, une belle nuit, là, dans ce 26 mai, je me souviens très bien de la date parce que j'allais dans le bouquin, puis c'est un truc important. Il y avait eu un accident d'avion l'année d'avant, le même jour, avec 30 enfants et autres qui Bissa, qui avaient été tués par les hélices de l'avion. Deux avions, dont l'un est l'avion de Sankara, malheureusement. Et ça a été le plus gros deuil de la Révolution. Et c'était en pays Bissa. Et c'était lié au chef d'état-major des armées. Et il y avait Sankara, il y avait Blaise et il y avait un autre chef d'état. Donc c'était un gros drame, c'était le plus gros drame de la Révolution. Et donc pour remémorer cet événement absolument dramatique, ce jour-là, il aurait pu y avoir des cultes simples. Non, 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 qu'est-ce qu'on voit? Tout Boulougou qui s'embrase. Alors il faut vous dire que Boulougou c'est une montagne, donc entre le pied de la montagne, toute la forêt, toute les cimes et jusqu'à l'autre bout, ben, c'est des kilomètres. Et tout s'embrase en même temps et brûle comme ça toute la nuit. Et tout le monde commence à courir avec des seaux, le préfet qui est actif, tout le monde. Hein, bon. Inutile de vous dire que tout ça c'est des signes que des choses se passent, que le monde des chefs, parce que là c'est la chefferie, c'est la chefferie de Tangaré, donc du prêtre de la terre de Garango, qui est le maître de ces choses. J'explique ça un peu mieux dans le bouquin, c'est un peu compliqué, mais vous avez aussi le roi de Tenkodogo, le Naaba, qui est mêlé à cela, qui est un très grand personnage du Burkina Faso, qui à l'époque avait des... Enfin, il a fait, je crois, 41 années de règne, hein, je ne voudrais pas dire des bêtises, ou plus. C'est un des plus... long roi des Naaba du Burkina Faso. Donc, il y avait un tas de signes qui montraient que des choses se passaient. Que des mais après, c'est difficile à comprendre vite. Hein. Et comment s'est fini la battue à la panthère? Voilà, alors... Revenons à notre panthère. Oui, mais alors c'est ça qui est très rigolo aussi dans ces cas-là. Parce que je demande au chef ingénument un jour, je lui dis, mais alors cette panthère... Alors, ce n'était plus le sujet, la panthère. Le sujet, c'était vraiment la réforme agraire et foncière. Et qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous bien. Parce que la réforme agraire et foncière, ça voulait dire que vous transformiez totalement qui a des droits sur la terre. Et vous êtes dans le monde rural. Donc, ce qui était en train de se discuter à Tenkodogo, c'était est-ce qu'on va mettre des coopératives simples? Est-ce qu'on va mettre des coopératives qui vont avoir la main sur les terres de tout le monde, qui seront redistribuées, si vous voulez, à la Mao? Et est-ce que, après, vous avez tous les gradients possibles dans le monde de l'exploitation agricole, est-ce que c'est ça? La terre, de toute façon, est un domaine national au Burkina Faso. Est-ce que chacun des lopins de terre sera remis en question régulièrement, si vous voulez? Ça a des implications énormes. Quand, ben, vous avez un agronome ici et qui va vous expliquer. Enfin, quand vous voulez amender les terres, améliorer les terres, vous avez besoin d'au moins 10 à 20 ans pour avoir des résultats
Enfin, vous pouvez avoir des résultats au bout de 4 ou 5 ans, mais vous n'allez pas investir si elle va être donnée au voisin la fois d'après. Et puis comment ça va se faire? Et ça va se faire sous les CDR. C'est les CDR qui vont avoir la main là-dessus. Ils vont avoir la main aussi sur les récoltes. Ils vont avoir la main sur la coopérative. Ils vont avoir la main sur la distribution. Ils vont avoir la main sur tout. C'était énorme. Je ne sais pas si vous voyez les enjeux. Et nous, on vivait ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien la tête du chef de village. C'est ce chef-là, parce que c'était là où j'habitais. Mais c'était partout dans le pays. Ces rituels collectifs, là, on vient au collectif, interdit depuis 1983, qui ne pouvait plus avoir lieu. Parce que dans la parole divinatoire, la confrérie a dit, il faut, pour que la panthère disparaisse, pour que l'équilibre revienne au village, l'harmonie, si vous voulez, en gros, il faut que le taureau noir qui est à la tête du troupeau du chef de village soit sacrifié sur l'autel de la terre. Tout ça, c'était interdit depuis le début de la Révolution. C'est ça qu'ils demandent. Et pour ça, ça veut dire que tous les quartiers doivent être d'accord et revenir à la chefferie, faire un rituel totalement interdit. Regardez comment ils ont la mine serrée, là. Vous voyez, ça, c'est les femmes du chef. Elles sont sous les couvertures. C'est le dragon qui est la puissance du chef. C'est les femmes, si vous voulez, c'est la puissance. Et vous voyez la tête qu'ils ont tous, là. Parce qu'ils savent que si le commando débarque avec le préfet, mais ils sont tous en tôle, là, pour longtemps. Donc, j'essaye de vous partir, si vous voulez, d'une compréhension institutionnelle de la politique à partir de ces mondes invisibles. J'espère que je me suis bien fait comprendre que vraiment le terme de sorcellerie est impropre, mais que j'en ai pas trouvé d'autre pour le titre. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, y a plein de conférences filmées que j'ai faites là, sur la révolution du président Thomas Sankara vue depuis les campagnes. Il faut vous dire qu'il y a 50, 60 livres, sans parler des livres en anglais, sur le président Thomas Sankara. Ce livre, c'est le seul qui parle de la campagne. C'est pour ça qu'il a eu une certaine notoriété et qu'il a eu un prix à l'Académie française. Peut-être aussi que c'est à peu près bien écrit. En tout cas, sur ces vidéos, vous avez année après année tous les événements depuis avant la Révolution jusqu'à après, année après année. Sur ces vidéos, et surtout je vous encourage, pour ceux qui vous intéressent à la personnalité de Sankara, parce que moi je ne parle pas de Sankara, si vous voulez, j'ai croisé Sankara comme tout le monde sur les marchés, il jouait de la guitare quand on allait danser parfois, donc c'était à peu près tout. Mais il y a des conseillers du président Sankara qui parlent et qui font des révélations très intéressantes, en particulier sur les relations avec François Mitterrand. Ne croyez pas que Mitterrand a lâché Sankara, par exemple. En tout cas, écoutez les cinq heures de cinq épisodes sur France Culture. Ça s'appelle La Grande Traversée, l'homme qui allait changer l'Afrique, Thomas Sankara. Vous pouvez l'écouter en podcast. C'est vraiment très bien. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors moi, il y a un petit passage du livre qui m'a marqué.